Salut, bonjour à tous les amis, nous nous retrouvons sur une vidéo sur FIFA 16, actuellement sur FUT. Et je tenais à faire cette vidéo parce que je prends beaucoup de plaisir en ce moment. J'ai découvert il n'y a pas longtemps Share Factory, un site qui permet de faire des vidéos sur PS4. Et donc je joue beaucoup de plaisir à faire des vidéos tout simplement. Alors, en ce moment je joue beaucoup 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 à FIFA. Sur ce FIFA là, le FIFA 16 sur PS4. Le problème c'est que voilà, je vous le cache pas, j'ai vraiment du mal. Et je suis pas seul, hein, mes amis ont vraiment du mal dans ce FIFA là. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Après voilà, il est assez quand même assez réaliste, mais il y a énormément encore d'erreurs, des joueurs qui prennent pas les ballons, etc. Des passes incomprises, des arbitres qui font n'importe quoi, encore des bugs sur les gardiens, des intérieurs qui passent plus du tout. Voilà, le jeu est basé beaucoup sur les centres aussi, c'est une catastrophe. Les centres vraiment, c'est des fois le nombre de fois où vous allez vous retrouver sur une aile pour centrer malgré que le mec il a 90 de passes, il va faire une passe sur le gardien, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Bref, j'ai joué contre un adversaire et j'ai voulu vraiment faire une vidéo parce que cet adversaire-là était vraiment très très fort et je tenais à dire et à faire cette vidéo là parce que j'ai vraiment 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 beaucoup pris de plaisir. Donc voilà un très beau but de mon adversaire, Blanco je pense. J'ai pas vraiment fait gaffe à son championnat parce que il y a là beaucoup de personnes qui essaient dans ce FIFA là de plus faire de Barclay, de Bundesliga, tout ça sur FUT. Il y a beaucoup de personnes qui font sur des MLS, donc championnat des États-Unis, l'Eredivisie. Tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire tant mieux, comme ça permet aussi de voir de nouveaux joueurs. Donc ça c'est sympa. Et ou alors est-ce que c'est parce que FIFA FUT vient de sortir? L'égalisation, passage de Miralas, un très très bon joueur Miralas. Mais que quand il veut, hein. Ça je vous le dis, que Miralas est bon que quand il veut. Mais sinon il est assez régulier quand même. Voilà, l'égalisation, donc 1-1, match, je vous ai dit, très 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 serré. Donc là on était en ligne. Malheureusement, j'ai vraiment du mal en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de chance au niveau des arbitrages. Et je suis très 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 poisseux sur le ligne. Niveau de l'arbitrage, hein, j'ai beaucoup perdu de matchs sur les dernières minutes à cause d'un penalty. Parce qu'il faut le dire aussi, les penalties dans ce jeu, c'est une catastrophe. J'ai fait pas mal de vidéos aussi sur l'arbitrage. Comme je vous ai vu, vous allez voir, il y a une vidéo sur les gardiens aussi. J'étais pas le seul, j'ai pas mal de potes aussi qui ont fait des vidéos sur les arbitrages. C'est à peine un tirage de maillot ou un contact à peine des fois sur la surface des réparations, il va y avoir faute et un penalty. Et ça, à la fin d'un match, c'est une horreur. C'est franchement une horreur. Donc voilà, je vais vous commenter le match un petit peu. J'avais cette équipe-là, une petite Barclay, avec un Marouane Fellini qui est pour moi vraiment excellent, excellent dans la récupération, dans le domaine aérien. Marouane Fellini qui est vraiment très très fort. Bon voilà, j'avais lâché parce que j'en avais marre. Je jouais, comme je vous ai dit, en ligne avec ma Barclay. J'avais lâché ma Barclay actuellement aujourd'hui parce que j'avais vraiment pas pour moi d'attaquant très très bon. Parce que les attaquants de Barclay à l'époque coûtaient, même encore aujourd'hui, ils coûtent très 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 cher. Bon, là on fait le tour avec du Benteke, du Lukaku, tout ça, mais au niveau de Sturridge, au niveau de Agüero, tout ça coûte très très cher. Donc j'avais essayé quand même Benteke, qui est pas très mauvais, mais bon, c'était pour moi sans plus, parce que comme je vous ai dit avant, je savais que Benteke était très fort, actuellement encore assez bon, mais le problème c'est que c'est un joueur qui était assez physique,
et qui était bon de la tête, et dans celui-là j'ai vraiment du mal à centrer et à mettre des têtes. Donc au cas où vous aurez des astuces à me donner pour comment dire, mieux centrer, ou des techniques qui existent, moi je suis preneur, hein. Toute vidéo, toute astuce, je suis preneur, parce que bon, j'aimerais bien m'améliorer, je sais que je suis pas encore vraiment parfait. Donc voilà, on a eu une petite faute. Donc voilà, on va commenter le match. Une belle passe en profondeur pour Meralas. Le centre, là vous voyez, là ça va, c'est un bon centre, ça va, c'est le deuxième poteau. Assez rare. Petit corner. Voilà, les corners, c'est vrai, j'ai du mal aussi dans celui-là. Parce que voilà, typiquement ça, ce qui se passe à chaque match sur les corners. Il y a le gardien, mais ça j'en peux plus. Les gardiens, que vous faisiez un corner premier poteau ou deuxième poteau, le gardien va sortir. Ça, c'est nouveau sur FIFA 16. Les gardiens sortent énormément. Des fois, vous êtes en plein match, vous allez avoir le ballon. Le gardien soit va dégager tout seul en touche ou au milieu de terrain. Et ça arrive que des fois, bah, l'adversaire récupère le ballon et marque un but à cause de votre gardien, parce que c'est l'ordinateur qui contrôlait. Voilà, un but sur coup franc, hein, en angle fermé. On voit encore que le gardien, malgré que ça soit quand même Victor Valdez, avec un bon positionnement et tout ça, etc. Voilà, regardez. Voilà. Gardien qui peut repousser le ballon, mais il le pousse dans les cages. Encore un petit bug de gardien. Bon. Après, il a assez bien tiré, donc quand même bien joué à mon adversaire. Voilà, belle passe, bonne construction au milieu de terrain. Pousse le ballon avec Benteke. Balle de récupération. Je vous dis, l'adversaire est vraiment très très fort. Là, il mène 3 buts à 1. Voilà, j'avais même essayé Diouf, un très assez bon joueur quand même. Faut le dire, bonne vitesse, bon joueur, mais bon, voilà. Il passe contré qui est pas passé loin non plus avec Fellini. J'avais joué contre une personne sur en ligne qui avait Fellini, et il m'avait fait vraiment, vraiment, vraiment fait mal, parce que lui, mon adversaire, savait tirer les corners, et donc il m'a mis 2 buts de la tête sur corner et une reprise de volée magnifique. Il m'a mis 3 buts sur Fellini. Voilà. Bon, j'ai un petit coup franc là à 32 mètres. J'en avais marqué un sur une autre vidéo avec Valbuena à 35 mètres. Pour aller voir. J'avais essayé de tirer. Oui, j'avais essayé de tirer. Bon, ben voilà. J'ai cadré quand même. Bon, ce problème, c'est que voilà, que je changeais beaucoup d'équipe parce que j'avais marre de perdre. Donc j'ai vraiment du mal à savoir sur mes tireurs, etc. Voilà, c'est un arrêt magnifique de ce gardien là, parce que là il vient vraiment de sauver les meubles. Bah, j'aime bien, c'est la passe, surtout c'est quand je joue avec des amis. La fameuse passe qui me fait vraiment toujours rire, et ça fait depuis, je crois, facilement plus de 2 ans déjà, on m'a parlé d'un souci bug technique au niveau des... Oh là là, le poteau, là, c'est vraiment moche, un hein, Benteke, vous voyez. Des fois, il fait des matchs monstrueux, mais quand il veut pas. Hein. C'est... voilà. Voilà, une, deux, bien joué. Je vous disais, c'était la fameuse passe. Non, c'est pas pour lui, je l'ai pas demandé, là. Voilà, ça, j'adore. Ça, mes amis, même moi, tout le monde, je pense, qui a déjà joué à FIFA, cette fameuse passe... On la connaît tous, parce que apparemment, ce que je viens d'apprendre il n'y a pas très longtemps, que c'est des bugs techniques que FIFA n'arrive toujours pas à résoudre. En fait, c'est dans le sens que vous mettez votre analogue. Des fois, voilà, il va y avoir un petit souci technologique et qui va faire que la passe, vous la voulez en bas avec votre analogue, et ben vous l'aurez derrière, devant, sur les côtés. Ça dépend des fois. C'est vraiment. Alors que des fois, c'est même des passes toutes simples. Hein. C'est... Et là, dans ce FIFA 16, j'ai remarqué que surtout, des fois, je ne sais pas pourquoi, des fois, vous appuyez sur un tout petit peu sur un croix ou un triangle, et votre joueur va faire une passe comme si vous avez appuyé croix à fond. Donc, des fois, ça arrive. Donc, si vous jouez assez souvent, vous allez remarquer ça.
Et vous allez remarquer que des fois ça part carrément en touche, des fois ça part complètement à l'arrière. Vous mettez un magnifique but de Miralas, hein, qu'on revient à 3-2, avec un poteau rentrant. Voilà, regardez, magnifique. Ah, Miralas, c'est très bon, ça, ah, ça n'a rien à dire. Oui, voilà, donc en fait, vous allez être au milieu du terrain, et puis d'un seul coup, votre joueur, alors que bon, il y a quand même deux, trois attaquants qui sont devant lui, il va faire une passe complètement en retrait, et votre adversaire peut intervenir et intercepter le ballon, et puis il peut marquer, parce que j'en ai déjà pris des buts comme ça en ligne, et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, c'est une horreur. Voilà, le coup franc complètement dévissé, un peu dessus, trop au-dessus. Là, j'ai un peu merdé là sur ce coup. L'adversaire était à l'affût. Voilà, beaucoup de bonne construction. L'adversaire. Voilà, ça c'était du Valdès. Un corner, premier poteau. Vous voyez, il tire assez bien, mais c'est un peu. J'ai eu chaud là. J'ai vraiment eu chaud. Voilà, allez, la dernière minute. C'était la dernière occasion. Est-ce que je vais marquer l'égalisation ou pas? Centre deuxième poteau. Et le but de Miralles encore. Et c'est un triplé pour Miralles. Voilà. Bon, là, je vous ai parlé des centres, mais franchement, la plupart de mes centres tout à l'heure, c'était vraiment pas ça. Je joue avec, j'ai joué avec plusieurs équipes. J'ai vraiment, on m'a parlé, vraiment c'est ça, qu'il faut vraiment s'arrêter. En tout cas, voilà, je tenais à vous dire que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur ce match. Un très bon anniversaire, donc j'espère qu'il va se reconnaître, si jamais il regarde maintenant. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Un petit like, des petits commentaires, abonnez-vous, voilà. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao, bye bye.